Salut tout le monde, 73-51, Dandy 33-14, bravo Charlie 33-01, Rémi depuis le sud-ouest de France. Bon, je reviens, là je suis sur la petite antenne, la carte d'onde Sirio GPA 27. Alors, pour ne pas priver, comme avant, les EM qui sont sur le web SDR, je vais faire un petit bidouillage. Je vais basculer le web SDR sur la carte d'onde, sur lequel est branché la seconde même, le DK. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien. Oh, j'ai un coupleur d'antenne. Voilà. Alors le coupleur d'antenne me sert surtout que pour le web SDR. Donc là, je bascule le web SDR, vous ne le voyez pas, mais ceux qui sont sur le web SDR vont voir une légère différence. Enfin oui, je vais basculer l'antenne du web SDR qui est actuellement sur la vente Wabit, sur la, tac, vous l'avez entendu, sur la Sirio GPA 27. Et là, je débranche ma boucle vers la Mantovabit pour brancher le DK à la place dessus. On dirait que j'ai un peu plus de QRM. Ouais, c'est bien possible que j'ai un peu plus de QRM, je sais pas. Pourtant, d'habitude, c'est l'inverse. Oh, ce bordel. Je suis en train de me rapprocher le PC là. Test de connexion. Breco pour 14, bravo Charlie, 33-01. Ouais.
Validé. Les 73-51, les cousins. Eh bien, ça fait un petit moment que je vous avais pas eu en fréquence. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Entre le pro, le ceci, le cela, la propa qui joue avec nous, en même temps que la météo. Puis, attends, que je fasse un truc. Oui, voilà. En même temps que la météo. Tiens, à propos de météo, aujourd'hui, c'est ciel gris et 23 degrés, là, sur le QTH. Et sur Bordeaux, ils ont annoncé 26 degrés aujourd'hui. C'est l'été indien ici. Je m'installe. Ah, il est là, ah, je suis trois coups. Merci, le maître des ondes du Québec, ô grand maître vénéré. Eh bien, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas entendu. C'est vrai que là, t'étais parti là durant quelques jours. Mais j'espère que durant ton occupation, t'as pu en profiter un petit peu sur autre chose. Puisque bon, si on t'a pas entendu en radio, c'est que vraiment t'étais trop occupé. Hachi. Bon, allez, comment allez-vous tous là au Québec? Et je bafouille. Et je crois que j'ai fait le coin avec le WebSDR. Ok, d'accord. Ben, ce matin, moi, c'était un bon 19 degrés. J'ai débauché de Bordeaux ce matin à 6 heures. Et ouais, il y avait 19 degrés là de sur Bordeaux. Comme quoi, là, ouais, comme je disais là juste avant, c'est l'été indien. Bon, ça va, le WebSDR est toujours vivant. J'avais oublié de couper l'antenne au moment de passer en émission. Hop là. Ah oui, effectivement, là je vois que là c'est pas très drôle là de votre côté. Pourtant là, la semaine dernière, je crois, là il faisait super beau, je sais plus quoi. C'est ouais, bah de toute façon, hein, vu la période, on va pas vers le beau, hein. Ça c'est clair, net et précis. Hachi, retour Jean-Luc. Ce matin, moi, en débauchant, par contre, là, sur la route, j'ai eu un petit peu de pluie, quoi, un petit peu de bruine. C'est, toi, t'as trois gouttes, quoi. Puis après, bon, par contre, sur les ondes, hier soir, j'avais un peu de propague. Bon, je me suis mélangé les crayons un petit peu dans les fréquences sur la route. Hachi, quand je pensais lancer appel sur le 19 normal, en fin de compte, j'étais sur le 19 sup, et tu m'étonnes que je m'étonnais d'avoir personne en fréquence. Puis ce matin, la débauche, bon, j'ai lancé un appel sur le 19, là, depuis le haut du pont d'Aquitaine. Bon, pas de réponse. Après, en suivant, bon, j'ai entendu un convoi exceptionnel, alors là, ne pas déranger.
Et autrement, au niveau QSODX, là, ces derniers temps, chou blanc, rien, nada, que chic, que fifre, rien. C'est, pourtant, c'est pas faute qu'il y ait des EM en fréquence, mais bon, quand on n'est pas multilingue et uniquement francophone, ça limite beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Retour. En ce moment, oui, ça dépend des régions, effectivement. Hein. C'est vrai que là, dernièrement, là, il y a eu des coins, il y a eu énormément de flotte. Il y a des inondations et tout, ceci, cela. Alors que moi, là où on est, là où est le QRA, on est vraiment bien épargné, quoi. Alors, tu vois, avec l'XYL, on se disait que quand on sera à la retraite, on aimerait bien se rapprocher du Pas-de-Calais, c'est-à-dire le nord-nord-ouest France, pour se rapprocher du fiston et de sa petite famille. Tout compte fait, je crois qu'on va rester là où on est, quoi. Et c'est pas grave, on fera des allers-retours jusqu'à là-bas. Mais bon. C'est sûr qu'au niveau météo, quand on voit ce qui se passe ailleurs en France, aïe aïe aïe, ça fait réfléchir. Que je vais dire. Oh oh. Ah bah ça va. Son poste est vieilli, il est froid. Les composants se changent un petit peu. Hop là, c'est un peu pas mal baissé. Du coup, j'ai pas tout eu Roger de ce que tu m'as dit là, Gilles. Ah oui, ça oui. Oui, ça oui, je l'ai compris, ça j'ai eu Roger. Mais c'est sur la fin de ton message que j'ai pas eu Roger. Ouais, bon, ça va te laisser un petit peu de temps là avec nous, là, en QSO. Moi, là, allez, dans 45 minutes, l'XYL arrivera au QRA. Donc, je passerai un autre QSO beaucoup plus local. Voilà. Donc là, voilà un petit peu ce que j'ai comme temps devant moi là pour être ici avec vous autres. Mais bon, c'est un choix de moi-même. Hein. Quand elle est là, je pourrais très bien rester en QSO. C'est pas un problème. Hein. Mais bon, c'est pour les bonnes relations de couple que je me mets une limite comme ça quand elle arrive là de quand je suis en QSO. Donc c'est moi qui fait ce choix, hein, et non pas elle qui m'impose quoi que ce soit. Hein. Au contraire. Hachi trois coups. Retour Gilles. Ah oui.
Frontière franco-belge. J'en profite pendant que là ça baisse un petit peu. Le choix du matériel, ça c'est un petit clin d'œil à certains. Bon, bref, hachis. Le choix du matériel n'a rien à voir avec une classe sociale. Faut pas tout mélanger. C'est pas parce que vous allez en avoir une plus grosse ou plus d'eau, un plus gros poste que le voisin, que forcément ça veut dire que vous êtes supérieur à lui. Alors je dis ça parce que pourtant c'est ce que l'on observe un peu tous de plus en plus. Et entre guillemets, ça tue l'esprit même de la radio, de la CB. C'est un exemple flagrant. Hier, avant-hier, j'ai partagé la vidéo d'un copain qui est sur le canal 19. De suite, il y a eu certains qui sont venus mettre des commentaires insultants et en disant de « surtout restez là où vous êtes ». Ça, c'est pas du tout l'esprit qu'on cherche sur la CB, sur la radio. Ceux qui ont dit ça, ils se reconnaîtront. Je ne veux pas faire de délation sur qui c'est, parce que ça serait leur donner de l'importance. C'est parti en cacahuète. Ah, son poste est chaud. Vous voyez que si elle s'appelle, elle peut avoir quelqu'un d'autre, oui, effectivement.
J'ai vu des sujets justement sur internet indiquant qu'ils allaient bientôt avoir de la neige. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver.
J'ai du mal à les sortir, les autres. Ah, 71-13. Et les Alpha Tango qui viennent foutre un bordel. C'est bien des clubs à éviter. C'est bien eux. Bravo Charlie 71-13, les 73-51 de Bravo Charlie 33-01. Ouf, j'ai fait un petit test comme ça sans basculer le web SDR. J'ai fait une espèce de trace. Ça c'est pas bon ça. On sait tout maintenant. Oui, Jean-Noël, les bonnes sont 13-51 de Rémi, 14 bravo Charlie, 33-01. Et 73-51 retourné, ouais, ça fait le yo-yo là avec le Québec, ça fait le yo-yo. Ça doit être les aurores boréales qu'ils ont eues là, qui ont dû tout absorber là de leur côté, à Chidigou.
Ouais, j'arrive à te sortir quand même, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi de mon côté. Puis bon, j'ai du bruit sur les bandes. Il y a des stations qui campent juste à côté. Là, j'ai l'impression, parce que j'ai des retours de Roger B, puis des trucs comme ça. Et je sens bien que c'est pas loin de la fréquence. Il y a du monde sur les ondes. Et du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à sortir. Et c'est vrai que Jean-Luc, là, j'arrive à le sortir. Lui, il n'y a pas de problème. Gilles, j'ai un petit peu de mal à le sortir aussi, là, aujourd'hui. Bon, mais c'est pas grave. Demain, ce sera peut-être autrement. Ce sera peut-être mieux ou rien du tout. Achille, retour à toi, Jean-Noël. Et pareil. Le département 69, les bottes 73-51 du département 33, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, en compagnie du Québec-Canada. Et pareil pour moi, toujours là aussi. Oh, ça a chuté là. Là, pour le coup, j'entends plus personne. Ah si. C'est en train de fuiter. Ah, de mon côté là, c'est en train de fuiter complètement là. C'est ouais, je suis en train de perdre tout le monde. Là, la propague a décidé d'aller se promener un peu plus loin là, on dirait. Oui. Bon, c'est pas grave. Oh là, c'est passé plein pot là. Oh Gilles, là t'es remonté d'un coup là de mon côté. De mon côté, 57-59, avec les bottes 73-14, bravo Charlie, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le département de la Gironde, le sud-ouest de France. Oui. Bonjour.
Non. Parce qu'avant de démarrer la vidéo, là, d'arriver dans le QSO, j'ai écouté un petit peu sur les web SDR du côté de Québec, Canada, par là. C'est pas top. Les bruits d'eau qu'on entend, ça c'est le DSP qui est derrière. Ah non, je l'ai enlevé en fin de compte, non, c'est sur les ondes. Bon. Le volume est un petit peu plus bas parce que bon, le DSP joue en même temps un rôle de préamplificateur. Ouais, on a du souffle en plus. Hein. Tac, voilà. Là, j'ai poussé à fond. Ah, cette moustache. Voilà, j'ai remis à mon réglage habituel. Salut Jean-Claude. Ah! Et il n'a pas l'impression que. Ah, c'est toi le dégénéré. Oh là là, comment il parle? Ça, c'est pas cool du tout, ça. Là, il a beaucoup de puissance, lui. Parce qu'il n'est pas tout à côté. Si j'ai bien reconnu la module, il n'est même pas sur la France. Bon, ben, comment niquer un QSO? Bon, en tout cas, vous voyez le genre de truc qu'il faut pas faire. Parce que ça a vite fait de moustacher le QSO à un autre QSO. Bon, je sais pas trop, peut-être que je me trompe de personne. Bon, là, je suis moustaché là complètement là, de tous les côtés. Moi, là, ici, là, sur le QTH, j'ai un QSO qui s'est installé là, sur le 27620. Et du coup, là, je n'entends plus personne. Hein. C'est aïe 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 aïe. Alors, je sais pas là si je vais pas arrêter le QSO là de mon côté, parce que là j'entends plus rien. C'est plus là, la propague est en train de tourner là, un petit peu dans tous les sens, ça fait le yo-yo.
C'est vraiment compliqué de mon côté, et surtout avec ce QSO qui s'installait là sur le 27620. Aïe, aïe, aïe. Gilles, le maître des ondes, viens me faire du nettoyage de mon côté. Achille trois coups. Ah, je déconne. Bon, par contre, pour le fait que je sois complètement moustaché, non, là, je déconne pas. Tu verras ça sur la vidéo. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Bon, ben, je suis moustaché jusqu'à 9 plus 10, 9 plus 20. C'est super, bravo. Bon, ben, pour le coup, je passe en QRT, hein, puisque... Là, c'est de mon côté le QSO les plus possibles. Bon, ben désolé, hein, les 73-51 tous, je passe en QRT car le QSO est plus possible, moi, ici, là, sur le QTH. J'ai un brouhaha quasi à 30 dB, là. Incroyable, cette propagation. 30 dB de brouhaha. Eh ben oui, ben faut peut-être écouter un peu. Je râle, mais bon. Oh, l'Allemagne. Pardon. Yeah, you're like sounding like a BBC radio, just like you were sitting next to me. Il s'est calmé ou pas? BB 73, Michel, comment vas-tu? Ah. J'avoue que les supes, ça fait de moins en moins envie, hein. Je vais tenter le coup. Attention le Québec-Canada. Attention le Québec-Canada. Pour Dindy 33 qui l'en s'appelle depuis le sud-ouest France, les environs de Saint-Émilion. Toi, tous les jours, il y en a qui sont là. Wow.
Attention les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion. Canal 6. Juste avant, c'était le 11. T'as les tchouh. Ça, c'est des lâchers de puissance. Des signaux comme ça en AM, c'est balèze. Hein. Elle est forte la propague. Attention les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis les environs de Saint-Émilion. Non, ça veut pas. J'essaie de voir si le département français allait passer. Bon, allez. Et puis bon, il n'y a pas raison que ça s'arrête. Oh, ça me nique complètement le cuisson. Hein. Ah. Je n'ai pas. Je... Ouais, je suis en train de perdre tout le monde en même temps. Eh bien, c'est pas grave. Thank you.
tout le monde arrive assez petit, et en plus c'est dans un brouhaha. Difficile de se concentrer sur une seule personne. Ah, allez, j'arrête les dégâts là. Et 73-51, bravo Charlie 33-01, et Rémi Dandy 33, et on verra ça demain, si ça le veut bien. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.